فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد كما صليت على آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أحبتي الكرام، فما زلنا نقرأ كتاب التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمعالي الشيخ العلامة صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى. وما زلنا في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: كما قال هنا في هذا الباب سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة رضي الله عنه. طيب، فذكرنا هذا الحديث وشرحه بحمد الله عز وجل. Donc on poursuit بإذن الله عز وجل l'explication du livre كتاب التوحيد du noble شيخ صالح Al-Sheikh, Hafizahullah Ta'ala. Et on avait donc lu l'explication du hadith de Ibn Abbas, radiallahu anhuma, concernant les 70 000 personnes qui entreront au paradis, yani parmi la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sans jugement ni châtiment. Et on avait mentionné également un autre hadith, hein, fihi qala sallallahu alayhi wa sallam kana rabbi azza wa jalla qad wa'adani 70,000 ma'a kulli 1,000 70,000 wa zadani 3 hafayat.
Et on avait vu dans un autre hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, où il dit, certes, mon Seigneur m'a promis de faire entrer au paradis 70 000 à chaque 1000 des 70 000. D'accord? Donc les 70 000 que l'on a, ou que le prophète alayhi salatu wassalam a évoqué dans le hadith d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, ces 70 000 là, tayyib, à chaque, tous les 1000, Allah Jalla wa Ala, il va rajouter 70 000 en plus. Et on avait dit que 70 000 multiplié par 70, cela faisait combien? 4 900 000. 4 900 000. Et ne pas oublier également, la tansaw, awlahu sallallahu alayhi wa sallam, wa zadani thalatha hathayat. والحثيات جمع الحثية جمع الحثية والحثوة يستعمل فيما يعطيه الإنسان بكفيه دفعة واحدة من غير وزن وتقدير. Et n'oubliez pas aussi la parole du prophète عليه الصلاة والسلام lorsqu'il dit après qu'Allah Jalla wa Ala, donc après qu'il ait dit qu'Allah Subhanahu il va rajouter 70 000, tous les 1000 des 70 000 de base. Qu'est-ce qu'il dit à la fin? Et il m'a rajouté 3 hathayat. C'est quoi une hathia? Donc hathayat, c'est le pluriel de hathia ou de hathwa. Donc ce mot-là, qu'est-ce que c'est? Ça exprime ou ça indique ce que la personne prend de ses deux mains, va puiser de ses deux mains sans peser ou sans mesurer. Par exemple, tu vas puiser de tes deux mains du blé, de l'orge, des dattes, de l'eau, avec tes deux mains. Ce puisement, entre guillemets, ce puisement avec tes deux mains, en arabe on dit « hathia ». Et le pluriel c'est « hathayat ». Vous voyez? Donc il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a rajouté 3 hathayat. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va puiser lui-même 3 fois parmi la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour les mettre au paradis sans jugement ni châtiment. D'accord? Even, قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى بالنصب عطف على 70 وهو مفعول أو وهو مفعول يدخل فيكون حينئذ ثلاث حثيات مرة فقط وبالرفع عطف على 70 الذين مع كل 1000 فيكون ثلاث حثيات فسبعون مرة انتهى قيل والرفع أبلغ. Donc ici, par rapport à ces trois justement, ces trois puisements, ou ces trois fois qu'Allah Jalla wa Ala va puiser de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour les mettre au paradis sans jugement ni châtiment. Dans la langue arabe, il y a deux possibilités. Soit on va dire وَزَادَنِي ثَلَاثَ حَثَيَاتِ. D'accord? بِالْفَتْحِ. Dans ce cas-là, cela va renvoyer aux 70 000 de base. Lorsqu'il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a promis de faire entrer dans ma communauté au paradis, sans jugement, 70 000 personnes. C'est-à-dire, soit ça renvoie à ça, et du coup, cela voudra dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va puiser seulement 3 fois. D'accord? Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire entrer 70 000, puis à chaque 1000 des 70 000, il fera entrer 70 000, puis il puisera 3 fois. Trois fois dans la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il va mettre les gens qu'il va faire sortir de la communauté au paradis sans jugement ni châtiment. Mais il le fera qu'une fois. Il y aura que trois fois. Que trois puisements. D'accord? Ou alors, on dira, وَزَادَنِي ثَلَاثُ حَثَيَاتِ
Dans ce cas-là, cela reviendra aux 70 000, à chaque 70 000 qu'Allah va rajouter tous les 1000. Donc du coup, cela revient à dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire sortir trois fois, va faire trois puisements, yani à chaque 1000. À chaque 1000. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera ça 70 fois. D'accord? Et le deuxième avis, il est plus fort. Le deuxième avis, il est plus fort. Donc imaginez le nombre énorme en vérité, au final, que cela fait. On a les 70 000 de base, puis on a tous les 70 000 en plus à chaque 1000. À chaque 1000 des 70 000, on a encore 70 000 à chaque fois. Il y en avait dit que ça faisait 4 millions 900 000. Et en plus de ça, on a les trois fois qu'Allah Jalla wa'ala va prendre de la communauté. On a dit qu'une hafia, c'est le fait de puiser avec ses deux mains. Et Allah Jalla wa'ala, il va faire ça trois fois à chaque 1000. C'est-à-dire qu'il va le faire 70 fois. 70 fois. Et on ne sait pas combien Allah Jalla wa'ala, à chaque puisée, combien Allah Jalla wa'ala va mettre les gens au paradis. Combien il y en a des gens à chaque puisée? Allahu alam, on ne le sait pas. Mais on imagine que c'est énorme. On imagine que c'est énorme. Donc, trois fois, taïeb, trois fois à chaque 1000, c'est-à-dire 70 fois. Naam. Taïeb. Donc, regardez, quand on fait le calcul, on ne peut pas faire le calcul car on ne sait pas combien fait une puisée, mais on imagine que c'est énorme. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on fasse partie de ces gens. Naam. Taïeb. قد شرعنا كذلك في ذكر المسائل وشرحنا بعضها فنواصل بعون الله عز وجل. المسألة الرابعة عشرة. قال المؤلف أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. Le quatorzième point enseignement que l'on tire de ce chapitre, il dit l'auteur, rahimahullah, celui qui n'a pas été suivi par quiconque, il viendra seul, yawm al-qiyamah. La preuve, c'est la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, hein, qui a dit, وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٍ. Et le prophète, avec qui il n'y avait personne. C'est-à-dire que personne ne l'a suivi. Il a appelé les gens au tawhid, il a appelé les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il a reçu la révélation. Mais il n'a été suivi par personne. Il se peut qu'il ait été tué sans que personne ne le suive. Il se peut qu'il ait appelé pendant des années sans que personne ne l'ait suivi. Allahu a'lam. Taïeb. Al-khamisata ashra thamaratu hadha al-ilm wa huwa adamu l'ikhtirar bil-kithra wa adamu z-zuhdi fil-qilla. Quinzième point, on tire de ce chapitre un enseignement très important. Le fruit de cette science, de cette connaissance. C'est quoi le fruit de savoir ça? De savoir qu'il y aura des prophètes qui vont venir avec personne, des prophètes qui vont venir avec une ou deux personnes, ou des prophètes qui vont venir avec même pas 10 personnes. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on en tire de cela? On en tire que il ne faut pas se faire tromper par le grand nombre. Ne pas se faire leurrer. Ne pas se faire tromper par le grand nombre ou par la majorité. Et aussi, du coup,
ne pas délaisser le petit nombre et ne pas yani, minimiser la valeur du petit nombre. طيب ولهذا قال شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى فإن الكثرة قد تكون ضلالة قال الله جل وعلا في كتابه الكريم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله قال جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وأيضا الكثرة من جهة أخرى إذا اغتر الإنسان بكثرته وظن أنه لن يغلب أو أنه منصور فهذا أيضا سبب للخذلان فالكثرة إن نظرنا إلى أن أكثر أهل الأرض ضلال أكثر أهل الأرض ضلال لا تغتر بهم فلا تقول إن الناس على هذا كيف يعني أنفرد عنهم كذلك أيضا لا تغتر بالكثرة إذا كان معك أتباع كثيرون على الحق فكلام المؤلف كلام المؤلف رحمه الله تعالى له وجهان الوجه الأول أن لا تغتر بكثرة الهالكين فتهلك معهم والوجه الثاني أن لا نغتر بكثرة الناجين فيلحقنا الإعجاب بالنفس وعدم زهد في القلة أي أن لا نزهد بالقلة فقد تكون القلة خيرا من الكثرة يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى Il se peut que le grand nombre soit un égarement, ou soit dans l'égarement, ou déségaré. Il dit Allah Jalla wa Ala, dans le sens rapproché du verset, « Et si tu obéissais à la majorité de ceux qui sont sur terre, ils t'égareraient du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Subhanallah. Allah dit « Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur terre, ils t'égareront du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Et également, la grande quantité, d'un autre point de vue, est que la personne, il se peut qu'elle soit trompée par la grande quantité des gens qui sont avec elle. Et donc elle va penser que elle ne sera jamais vaincue et qu'elle ne subira jamais la défaite et qu'elle sera triomphante et victorieuse. Et ceci également est une tromperie et une cause d'abandon de la part d'Allah Jalla wa Ala. Celui qui est trompé par le grand nombre, mais dans l'autre sens. Hein? C'est-à-dire qu'il va regarder les gens qui suivent, qui le suivent, il se dit, waouh, ils sont nombreux, mashallah, et il va croire qu'il est sur la vérité. Ou alors il va croire qu'il ne sera jamais, yani, égaré, ou tout le temps victorieux. Ça, c'est une cause qu'Allah l'abandonne. C'est une cause qu'Allah Jalla wa Ala l'abandonne à son sort. Wal'iyadu billah. Donc la grande quantité, le kathra, si on regarde yani, la majorité des gens sur terre, est-ce qu'ils sont monothéistes? Est-ce qu'ils adorent Allah Jalla wa Ala? Est-ce qu'ils sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala? Non. La majorité des gens sur terre sont égarés. Donc, ne sois pas trompé par le grand nombre, dit le shir. Et surtout, ne dis pas, tout le monde est comme ça. Tout le monde fait ça. Tout le monde dit ça. Alors pourquoi moi je vais faire autrement? Pourquoi moi je serai différent de la majorité? Est-ce que c'est bien de penser comme ça? Là. La preuve,
c'est que il y a des prophètes qui viendront tout seuls, qui viendront avec une, deux personnes, moins de 10 personnes. Taïeb. Et d'un autre point de vue, ne sois pas trompé par la grande quantité si tu as avec quoi, avec toi, il y a énormément de suiveurs. Même si tu es sur la vérité, même si tu es sur la vérité, ne sois pas trompé par le nombre de gens qui te suivent. Taïeb. Ne soyez pas trompé par le nombre d'abonnés de certains youtubeurs qui s'autoproclament imam ou cheikh ou professeur. Ne regarde pas le nombre de followers sur Facebook ou Twitter. Taïeb, aujourd'hui, malheureusement, le critère de certaines personnes au niveau de la religion, c'est le nombre de suiveurs, le nombre de followers, le nombre d'abonnés. Ils se disent, vu que lui, il a 100 000, 200 000, 1 million d'abonnés, c'est qu'il est sur la vérité. Il voit que la vidéo, elle est bien faite, l'image, elle est nette. On voit son visage. Il y a des titres accrocheurs pour appâter et hameçonner les abonnés. Là. Sache, mon frère, qu'il y a des prophètes qui viendront avec zéro follower, zéro suiveur, d'autres avec 1, 2, moins de 10. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont sur le faux? Wal'iyadu billah. Alayhi salatu wassalam. Donc la parole de l'auteur ici, on peut la comprendre de deux ou sous deux angles différents. Le premier angle, ne sois pas trompé par la grande quantité des égarés. Ne te dis pas à tout le monde ou la majorité est dans l'égarement, alors qui je suis moi pour ne pas faire comme eux là. Car sinon tu seras ou tu vas t'égarer comme eux, et tu vas faire comme eux, et tu périras comme eux. Et le deuxième angle, que ne soyons pas trompés par le grand nombre des gens sur la vérité, et qui nous suivent. Vous voyez, même si tu es sur la vérité, et que tu as 100 000, 200 000, 300 000 des gens qui te suivent sur les réseaux sociaux. Ne sois pas trompé par ça. Remercie Allah plutôt. Et aie peur de déraper, aie peur de glisser. Car si tu n'as pas peur de glisser, c'est là que tu vas glisser. Et c'est là que tu vas être atteint par ce qu'on appelle al-i'jab bin-nafs, l'auto-satisfaction. Le fait d'être émerveillé par soi. Et c'est là que tu vas commencer à dévier. Tu vas commencer à faire des concessions, à faire des alliances avec des autres personnalités ou individualités qui sont très suivies. Avec les Ikhwan, avec ceux qui insultent les grands savants, avec ceux qui insultent les sahaba, avec ceux qui font des pactes avec les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, juste pour avoir des followers et des abonnés. Qu'Allah nous en préserve. Voyez? Puis lorsqu'il dit, et le fait de ne pas délaisser le petit nombre, c'est pourquoi? Parce que bien sûr, il se peut que le petit nombre soit meilleur que le grand nombre. Il se peut que le petit nombre soit meilleur que le grand nombre. Et na'am. ثم قال المؤلف رحمه الله السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى. Puis il dit dans le 16e point
la permission de faire ruqya pour soigner le mauvais œil ou la morsure ou la piqûre venimeuse. طيب السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله صلى الله عليه وسلم أو لقوله رحمه الله قول يعني سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. 17e point, la profondeur de la science des pieux prédécesseurs. Rahimahumullah. Et cela, on le voit par rapport à la parole de Saïd ibn Jubayr. Rahimahullahu ta'ala. C'est certes bien comporté celui qui s'est arrêté à ce qu'il a entendu. Hein? C'est certes bien comporté celui qui s'est arrêté à ce qu'il a entendu. Mais Ibn Abbas nous a rapporté ceci et cela du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc on comprend par cela que malgré l'information complémentaire que ramène ici Saïd ibn Jubayr, son hadith ne contredit pas le premier hadith. Le hadith rapporté par Buraïda ibn al-Husayb n'est pas en opposition avec le hadith d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma. Jayyid, لأن قوله, قال الشيخ, لأن قوله لا رقية إلا من عين أو حمى لا يخالف الثاني لأن الثاني إنما هو في الاسترقاء والأول في رقية. ففرق بين الاسترقاء وبين الرقية. فالإنسان إذا أتاه من يرقيه ولم يمنعه فإنه لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم ولا يسترقون لأن هناك ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يطلب من يرقيه وهذا قد فاته الكمال. Donc, il dit le Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, parce que la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le premier hadith de ce chapitre, pas de ruqya si ce n'est contre le mauvais œil ou al-huma. Al-huma, c'est quoi? C'est la piqûre, la morsure venimeuse. Cette parole-là, elle ne contredit pas la deuxième parole. Pourquoi? Parce que dans le deuxième hadith, ce qui est visé dans le deuxième hadith, c'est al-istirqa, la demande de ruqya. Alors que dans le premier hadith, ce qui est visé, c'est quoi? C'est al-ruqya elle-même. D'accord? Donc faites bien la différence entre al-istirqa et al-ruqya. Al-istirqa, demander ruqya, ou la demande de ruqya, et ruqya, la ruqya. Taïeb? Donc, la personne, si quelqu'un se propose, une personne est malade, quelqu'un arrive chez elle et se propose de lui faire ruqya, et qu'elle ne refuse pas, elle lui dit tafadhal, barakallahu fik. Est-ce que cela contredit la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui dit ceux qui ne demandent pas la ruqya? Est-ce que celui qui accepte qu'on lui fasse ruqya sans demander quoi que ce soit, est-ce qu'il ne fera pas partie ou est-ce qu'il ne peut pas faire partie des 70 000? Non, il peut en faire partie. Parce que lui, il n'a rien demandé. Il n'a rien demandé. D'accord? Donc on a ici une faïda, masha'Allah. Il y a trois degrés chez les gens. Le premier degré, celui qui va demander qu'on lui fasse ruqya. Celui qui va demander qu'on lui fasse ruqya. Hein? Les gens, certains parmi les awam, dès qu'ils tombent malades, ou dès que leur enfant tombe malade,
Ils vont aller voir un imam. Fais-moi ruqya. Viens chez moi. Fais-moi ruqya. Alors ils vont carrément, pire que ça, aller voir des imposteurs hein, qui ouvrent des cabinets de ruqya et qui font payer je ne sais pas combien. Voyez, mais qui en ont fait un business. D'accord? Donc, le premier degré, ceux qui demandent qu'on lui fasse ruqya. Celui-là, il aura raté la perfection dans son tawhid. Il aura manqué la complétude de son tawhid, de sa confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, du coup, il ne pourra pas faire partie des gens qui vont entrer et aller au paradis sans jugement ni châtiment. المرتبة الثانية ما هي أن لا يمنع من يرقيه وهذا لم يفته الكمال لأنه لم يسترق ولم يطلب. Deuxième degré, celui à qui on propose de lui faire ruqya et qu'il ne refuse pas. Il lui dit تفضل الحمد لله بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. Est-ce que cela contredit la complétude du tawhid? Est-ce que cela va contredire la perfection de son tawhid? Eh bien non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas demandé. Est-ce qu'il a demandé? Il n'a pas demandé. Est-ce qu'il est parti chercher quelqu'un? Il n'a pas. Non. On est venu à lui, on lui a demandé, il a accepté. Donc lui, il peut espérer faire partie des gens qui vont entrer au paradis sans jugement. الثالثة أن يمنع من يرقيه. Troisième degré, celui qui refuse qu'on lui fasse ruqya. Il est malade, quelqu'un se présente et lui propose de lui faire ruqya. Et qu'est-ce qu'il fait? Il refuse. Est-ce que c'est bien de refuser? هذا خلاف السنة. هذا خلاف السنة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنع عائشة رضي الله عنها أن ترقيه. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم لم يمنعوا أحدا أن يرقيهم لأن هذا لا يؤثر في التوكل. Troisième degré, encore une fois, celui qui refuse qu'on lui fasse ruqya. Ceci est contraire à la sunna. Ceci est contraire à la sunna. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, n'a pas refusé que Aïcha lui fasse ruqya. Les sahaba, radiyallahu anhum, n'ont pas empêché ni refusé qui que ce soit de leur faire ruqya. Parce que cela n'entache pas la confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que toi tu es mieux que les sahaba? Est-ce que toi tu es mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. Donc si quelqu'un te propose de te faire ruqya et que c'est quelqu'un de fiable, quelqu'un que tu connais pour son attachement à la sunna, eh bien accepte et ne refuse pas. Subhanallah. Tayyib. Wadih? Na'am. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. 18e point, l'éloignement des pieux prédécesseurs de tout éloge venant des gens sur une chose qu'ils ne possèdent pas. Ils évitaient tout éloge, tout compliment, toute louange des gens, surtout sur des choses qu'ils ne méritent pas. Et ça, on le prend bien sûr de la parole de Hussein ibn Abdelrahman rahimahullah dans ses hadiths, hein, lorsque Saïd a demandé qui parmi vous a vu l'étoile filante. Il a dit, moi je l'ai vue. Mais il a dit, je n'étais pas en prière. Il a précisé, parce que l'étoile filante yani, est passé durant la nuit.
Ça veut dire qu'il ne dormait pas. Donc pour pas que les gens croient qu'il était en prière et qu'il priait donc une prière nocturne, il a précisé, mais je n'étais pas en prière. Taïeb. Subhanallah. Bon, il n'était pas obligé de le préciser. Est-ce qu'il était obligé? Il n'était pas obligé de le préciser. Mais pour pas que les sahaba ou que les salaf parmi les tabi'in croient qu'il était en prière, il a précisé, je n'étais pas en prière. Ne croyez pas que je priais. Pour pas qu'il lui fasse des éloges ou qu'il croit qu'il fait des choses, des adorations qu'il ne fait pas. Aujourd'hui, les gens, c'est l'inverse. S'ils peuvent faire croire aux gens des choses qu'ils ne font pas, ils vont le faire. Quitte à mentir, c'est pire. Carrément, ils vont mentir. Ou alors certains, ils vont faire croire. Hein, ils ne vont pas aller clarifier pour dire que non. Ne pense pas que je faisais telle ou telle adoration ou ne pense pas que je jeûne. Par exemple, la personne, elle fait un régime. Hein? Donc les gens la voient ne pas manger, ne pas boire, alors qu'en fait elle ne jeûne pas, elle fait juste un régime. Elle va pas dire non mais je fais un régime, elle va rien dire. Elle va laisser croire aux gens qu'elle est en train de jeûner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allez, donc on voit que les salafs ils sont loin, très loin. On essaie de se rapprocher un maximum de nos salafs. Salaf al-Salih, rahimahumullah. Al-Tasi'ata Ashra, qawluhu, anta minhum. Hatha alamun min a'lam al-Nubuwa. 19e point. Sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, tu en fais partie. Hein, lorsque Ukasha lui a dit, invoque Allah pour que je fasse partie de ces gens-là. Invoque Allah pour qu'ils me mettent parmi eux, yani. Et le prophète de lui répondre, tu en fais partie, ou tu es avec eux. Ceci, dit le Cheikh, rahimahullah, c'est un des signes, une des preuves de la prophétie. C'est une des preuves de la prophétie. Qala, Cheikh, Al-Uthaymeen, rahimahullah, yani, hadha dalil, على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف ذلك لأن عكاشة ابن محصن رضي الله عنه بقي محروسا من الكفر حتى مات على الإسلام فيكون في هذا علم يعني دليلا من دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا إذا قلنا إن الجملة خبرية وليست جملة دعائية فإن قلنا إنها جملة دعائية فقد نقول أيضا قد نقول أيضا فيه علم من أعلام النبوة وهو أن الله جل وعلا استجاب دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لكن استجابة الدعوة ليست من خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقد تجاب دعوة من ليس بنبي وحينئذ لا يمكن أن تكون علما من أعلام النبوة إلا حيث جعلنا الجملة خبرية محضة. 19e point. Donc, sa parole, tu en fais partie. Parce qu'il a répondu à Ukasha, tu fais partie des gens, de ces gens qui vont entrer au paradis sans jugement ni châtiment. C'est une preuve de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais en quoi c'est une preuve? En quoi c'est une preuve, cette parole-là, de sa prophétie? Eh bien, parce que Ukash ibn Mihsan, radiallahu anhu, est resté sur l'islam jusqu'à sa mort. Il est resté sur l'islam jusqu'à sa mort. Il est connu qu'il est resté un monothéiste pur jusqu'à sa mort. Ceci donc est une preuve, parmi les preuves, de la prophétie du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, si on dit, bien sûr, que la phrase qu'il a prononcée, « Anta minhum », tu en fais partie, est une phrase informative. « Khabariya », informative, tu en fais partie. Est-ce que quelqu'un peut dire
qu'un tel va aller au paradis avant sa mort? À part si Allah Jalla wa Ala lui révèle l'information. Donc s'il a dit tu en fais partie, ça veut dire, c'est comme s'il lui disait tu vas mourir sur l'islam. Et tu vas mourir sur la perfection du tawhid. Et tu seras donc avec les gens qui vont entrer au paradis sans jugement ni châtiment. Donc est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut prédire l'avenir? Il ne peut pas prédire l'avenir. Est-ce que le prophète il connaît l'invisible? Il ne connaît pas l'invisible. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a révélé. Donc ça prouve que c'est un messager d'Allah, que c'est un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïeb. Et ce n'est pas une phrase invocative. Fa'anta minhum. Ça ne veut pas dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala. Même si, si on dit que c'est une phrase invocative, c'est-à-dire que quand il a dit tu en fais partie, en gros, cela sous-entend qu'il a demandé à Allah. En gros, c'est comme s'il disait oh Allah, fais que Ukasha en fasse partie. On pourrait dire na'am, c'est quand même un signe de la prophétie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens où Allah subhanahu wa ta'ala il a exaucé son invocation. Vous voyez? Mais ici, il y a ce qu'on appelle un hic. Dans le sens où l'exaucement des invocations n'est pas spécifique au prophète. Il se peut que nous, qui ne sommes pas des prophètes, lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah jalla wa ala nous donne ce qu'on demande. Et nous exauce, nous demande, nos invocations. Donc c'est pas quelque chose, yani l'exaucement des invocations en soi n'est pas quelque chose qui est propre aux prophètes seulement, mais ça peut être aussi pour des gens qui ne sont pas des prophètes. D'accord? Par conséquent, ce ne peut être une preuve parmi les preuves de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam seulement si on dit que la phrase est une phrase informative. Seulement si on dit que la phrase est une phrase informative. En gros, quand le prophète lui a dit « Anta minhum », en gros il lui a dit « Tu en fais partie et tu en feras partie, sans aucun doute. Tu vas mourir sur l'islam, tu vas mourir sur la perfection du tawhid. » Allahu Akbar. Imaginez-vous l'information qu'il lui a donnée. Donc faites la différence, surtout ceux qui lisent l'arabe. Faites bien la différence entre les phrases informatives et les phrases invocatives. J'ai eu un exemple il n'y a pas longtemps. Quelqu'un m'envoie une vidéo où on voit un des élèves de Cheikh Al-Usaymi, hafidhahullah ta'ala, lire yani un texte ou un poème. Et il commence, il dit « I'lam hadani Allahu wa iyyaka li ahsanil akhlaq أن من أعظم الآداب كذا وكذا. Donc le poème ou le texte, il commence par sache هداني الله وإياك لأحسن الأخلاق. Et je vois la traduction en bas, il y a marqué sache qu'Allah m'a guidé ainsi que toi sur les meilleurs comportements. Subhanallah. Sache qu'Allah m'a guidé ainsi que toi sur ou vers les meilleurs comportements. Ça c'est une phrase invocative ou informative? Ça c'est informatif. En plus, subhanallah, il y a une forme de d'autosatisfaction de dire qu'Allah m'a guidé sur les meilleurs comportements. Subhanallah, là. Qui te dit qu'Allah t'a guidé vers les meilleurs comportements? Yani, qui tu es pour dire que tu as les meilleurs comportements? Le croyant, il ne fait pas ses propres éloges. Vous voyez? Non, ça c'est une invocation ici. Il dit, sache qu'Allah me guide et te guide vers les meilleurs comportements. C'est une invocation là. C'est pas une information. Et des gens diffusent des vidéos comme ça. Comment quelqu'un qui traduit des cours
peut-il faire ce genre d'erreur? Tout le monde peut faire des erreurs dans les traductions. Mais celle-là, elle est grave. C'est un non-sens. Et c'est une évidence claire. Une différence entre l'invocation et l'information. Donc la vraie traduction, c'était « Sache qu'Allah me guide ainsi que toi vers les meilleurs comportements, que parmi les meilleurs ou parmi les meilleures moralités, etc. etc. » المهم نعود ونقول قال المؤلف رحمه الله تعالى العشرون فضيلة عكاشة 20e point le mérite et la valeur de عكاشة le mérite et la valeur de عكاشة pourquoi qu'est-ce que la عكاشة de plus hein? Ce qui fera partie des gens qui vont entrer au paradis déjà premièrement au paradis donc c'est un mérite déjà deuxièmement sans jugement ni châtiment. Donc ça veut dire qu'il a parfait son tawhid. Il a parfait son tawhid. Il est mort sur la perfection du tawhid. Allahu Akbar. Al-hadiyatu al-ishroun isti'amalu al-ma'arid. Isti'amal al-ma'arid. Onzième point. L'utilisation de phrases qu'on appelle en arabe al-ma'arid. Ce sont des phrases qui vont être tournées d'une façon à ce qu'elles peuvent être comprises de plusieurs manières. Dire une phrase et lui donner une tournure spéciale qui va faire que les gens pourront l'interpréter de différentes manières. En attirant l'attention des gens vers un sens, mais en vérité, c'est pas ce sens-là qui est visé. Lorsque le prophète, il a répondu à cet homme qui s'est levé et qui a posé la même question que Ukash, il a dit au prophète, Ya Rasulallah, demande à Allah qu'il me mette parmi eux. Et là, qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète? Il lui a dit, Sabahaka biha, Ukash. Ukash, il t'a devancé. Ukash, il t'a devancé. Les ulama, ils ont divergé sur l'interprétation de cette réponse. Certains ont dit que le prophète savait que c'était un hypocrite. Le prophète savait que c'était un hypocrite. Mais pour pas yani, le dévoiler devant tout le monde, il lui a dit « Ukasha t'a devancé ». D'accord ? Donc là, il a utilisé une tournure spéciale qu'on appelle en arabe « Al-Ma'arid ». Certains parmi les ulama, ils disent, le prophète, il savait que cet homme-là n'avait pas les mêmes qualités que Ukasha. Il n'avait pas les mêmes qualités dans le sens où c'est pas quelqu'un qui a les caractéristiques des gens qui vont entrer au paradis sans jugement ni châtiment. Donc pour pas le vexer devant les autres, il lui a dit, Ukasha t'a devancé. Hein? Cela, c'est plus, on va dire, c'est plus clément et plus, comment on pourrait dire? Il y a plus de tact à dire ce genre de choses que de dire, non, tu n'as pas les qualités pour. Imaginez-vous la réponse. Non, toi, tu n'as pas les qualités. Tu n'es pas quelqu'un qui va entrer au paradis sans jugement parce que, là, il lui a dit, ok, ça t'a devancé. Et certains parmi les ulama, ils disent que c'était pour fermer la porte, hein, au fait que d'autres personnes demandent la même chose. Imaginez-vous, Yanni, qu'il ait répondu à cet homme, le deuxième, un troisième se serait levé, un quatrième se serait levé, un cinquième, un sixième, ils auraient tous posé la même question. Est-ce que tous méritent d'aller au paradis sans jugement? Non, bien sûr que non. Donc pour fermer la porte, il a dit « Sabaraka biha, ukasha ». Al-Kasha est à devancer, donc cela nous montre yani, qu'il est permis dans certaines situations d'utiliser des tournures de phrases pour éviter yani, un préjudice ou un tort ou un mal. ثم الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم
Ensuite, 22e point, on voit ici le comportement exemplaire et noble et élevé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voyez, qui faisait tout son possible, tout ce qu'il pouvait pour bien se comporter et entretenir yani, les rapports avec les gens et les relations qu'il avait avec les gens. Voyez, même si certains étaient des hypocrites. Comme si on prend l'un des avis de Ulama qui disent qu'en vérité, ce deuxième homme était un hypocrite. Et malgré ça, est-ce qu'il a répondu sèchement? Est-ce qu'il a dévoilé devant tout le monde? Non. Il a utilisé donc une tournure de phrase spéciale qu'on appelle « Al-Ma'arid ». Naam. Donc je pensais qu'on allait pouvoir commencer le deuxième, ou le chapitre suivant, pardon, concernant donc la peur du shirk, la peur vis-à-vis de l'associationnisme, mais on le débutera, yani, inshallah ta'ala, du coup, la semaine prochaine, bi'idhnillahi azza wa jal, fa jazakumullahu khayran, wa l'ilmu inda Allah, wa akhiru da'wana, anilhamdulillahi rabbil alameen, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.